Good morgen, allez, Iden et tu seras aujourd'hui le Nishmat François Fajibet, Rana Janine Rude, Batvort, Mazel Fenek, Lodge, Lomo, Ben Shalom, Michel, Ben Ninda. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Michel, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Mazaret Péa, Perik Vav, Mishna Yudhat, Tevoua, Shenitna, Le Shachat, O, La Alouma, Vechen, Be Agoudé, Ashum, Ve Agoudot, Ashum, Ve Abetzalim, En, La Em, Shichecha. וכל התימונים בארץ כגון אלוף והשום והבצלים רבי יהודה אומר אין להם שכחה וחרמים אומרים יש להם שכחה. On continue cette fois-ci avec les שכחת האומר והקמה, ça revient au même. Là, ça va pour dans les deux sens. À définir maintenant deux nouvelles sortes de choses que l'on plante pour des... Alors, on va faire la première série d'abord. Tvoua shenitna le shachat. La tvoua, tu plantes des céréales, effectivement, mais pas pour en manger toi-même le fruit, mais plutôt nitna les shachat. Tu la laisses pour que ce soit du shachat, que ce soit les animaux qui vont venir brouter et manger. D'accord? Donc tu plantes du blé, par exemple, pour que tes vaches vont manger du blé. Ou encore, la alouma, ou bien tu plantes des céréales, mais tu as planté tout un petit terrain avec un blé de qualité moins intéressante, par exemple, parce que ton but, en fait, tu sais, pour que tu fasses tes gerbes, tu as besoin aussi d'un épi de blé, tu prends toujours un épi pour attacher. Et donc tu as planté des épis de mauvaise qualité, ils sont plus longs et moins fournis. Tu as planté, donc du blé que pour en faire des aloumotes, pour en faire des gerbes. D'accord? Pour en faire la tâche des gerbes. Vechen ba'agoudé hachoum, idem aussi que tu as planté de l'ail, mais un ail spécialement des ails spéciaux pour pouvoir attacher les autres ails. Les ails aussi on les attache, on en fait des sortes de gerbes, comme ça on les attache en groupe. Donc tu as laissé des ailes pour pouvoir attacher les autres. Donc en fait, le point commun de tous, c'est que tu n'as pas planté ces céréales ou ailes pour les consommer eux-mêmes, mais plutôt pour les utiliser sans qu'ils soient la consommation, sans qu'ils soient prévus pour la consommation humaine. Donc ils sont dispensés de shichecha. D'accord? C'est ce que la Mishnah va me dire juste après, je saute la petite phrase pour le moment. Ils n'ont pas de shichecha, parce que c'est que lorsque tu cueilles pour manger que tu as imposé de shichecha, mais pas lorsque tu cueilles pour en faire autre chose que de consommer. Et à part ça aussi, il y avait Agoudot Hashum Betsalim. Alors, Agoudot Hashum Betsalim, d'abord, c'est des petites gerbes d'ail et d'oignon. En fait, le Batenon, il nous explique comme ça, c'est simple. C'est que, d'abord, je dis la halakha, après je vous rappelle ce qu'on avait déjà vu en haut, la même idée. C'est que lorsqu'on attache les oignons, alors on ne prend pas 50 oignons et on en fait une très grosse gerbe. On va prendre les oignons 5 par 5, on en fait des petites gerbes. Et puis après, on ramasse les petites gerbes de 5, on en ramasse 10 en même temps et on fait une gerbe plus grosse. Et comme ça, on a 50 gerbes, mais qui sont en réalité, d'accord? Ce qui se passe, c'est que maintenant, lorsque tu as fait les petites gerbes, après, quand tu les as ramassées pour aller en faire une gerbe plus grosse, tu en as oublié une, petite. Alors là, il s'avère que ce n'est pas encore une shichecha, pour la simple raison que c'est sur le même principe, je ne vais pas tout rappeler parce que ça va être trop long sinon, mais le même principe que c'est que lorsque tu ramasses pour en faire un gmar melacha, pour l'amener à la fin de leur finalité, que tu oublies quelque chose au moment où tu ramasses de l'étape 1 à l'étape 2, lorsque l'étape 2 c'est l'étape finale. Alors lorsque tu ramasses de l'étape 1 pour les amener à l'étape finale, alors là, il y a la shichecha. Mais si en réalité, tu as trois étapes, de l'étape 1, tu passes à l'étape 2 pour passer ensuite à l'étape 3, alors il n'y aura pas de shichecha de l'étape 1 à l'étape 2. Parce que tu ne les prends pas pour les amener à leur gemar melacha. Et c'est le même principe. Tu ramasses ici ces petites bottes d'oignons ou d'ail pour aller en faire des plus grosses bottes d'ail ou d'oignons. Et une fois que tu auras les grosses bottes d'ail ou d'oignons, tu vas les prendre pour les engranger. Donc, de l'étape 1 à l'étape 2, pour le moment, il n'y a pas encore de shichecha. D'accord, c'est ce que j'avais dit, donc Agoudot Hashum Betsalim. Nouveau sujet maintenant. Vechol atemonim ba'aretz. Et tous ceux qui sont enfouis dans la terre. Il y a toutes sortes de légumes, qui sont en réalité plutôt des racines en général. Ça peut être du radis, de l'oignon, de l'ail et tout ça. Que leur fruit, il est sous la terre, la carotte aussi. Fruit sous la terre, et ce qui sort, c'est des herbes qui ne sont pas consommables. Dans tous ces cas de figure, kegon alouf, vechum, vechum, comme le louf, c'est une sorte d'oignon. Et Hashum, l'ail et le Betsalim. Rabbi Yodomer, en l'aim shichecha. Rabbi Yodomer me dit, ils n'ont pas de shichecha. Et Chachamim Omrim, yesh l'aim shichecha. Et Chachamim disent qu'il y a une shichecha. C'est-à-dire qu'on parle maintenant cette fois-ci de shichechat kama. Ouais.
Et lorsque tu les cueilles, maintenant, lorsque tu les cueilles, tu les oublies. Et la Torah elle dit, Vesharta Omer, Sadecha, je ne sais plus comment c'est dit, qui tirecha, le tachouvé kartos. Là-bas, il y a marqué Sadecha, ce qui est dévoilé. Donc ce qui est enfoui dans la terre, il n'y a pas de Shirechat Kama lorsque tu oublies un qui reste planté parce qu'il n'était pas en dehors de la terre. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Et Chachamim disent non, malgré tout, ils sont imposables de Shirecha. Et c'est déduit tout ça de Psukim. Comment déduire de Psukim? Ça déchira une fois ou deux fois. Et bon, on ne va pas entrer non plus dans les détails du limoud exactement. En tout cas, on a retenu l'idée. Donc, on parle des racines qui sont restées plantées au moment lorsque tu cueilles et tu fais une Shirechat Kama. Tu les oublies pendant qu'ils sont plantés. Et la Lachal est établie comme Chachamim qu'effectivement, il y aura Shirecha sur toutes ces racines. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.